Maintenant que nous avons vu comment avoir de nombreuses variations à partir d'une idée de départ avec la Novation Circuit, voyons ce qu'on a à disposition. Je vais lancer la première scène et écoutons en solo les pistes. La ligne de basse sur la piste 2, la petite phrase de synthé, la partie de batterie ici. Nous avons en plus des variations si je mets en solo la basse et la batterie. Nous avons la boucle de batterie sans grosse caisse. Et ici, la partie de basse décalée, ou encore avec une octave supérieure. Ici, la batterie sans grosse caisse et sans clap. Et enfin, la ligne de basse sur le temps avec l'octave supérieure. Je vais arrêter la lecture globale, enlever le solo, et me concentrer sur la phrase de synthé. Je vais utiliser la fonction SliceToMidi d'Ableton, qui va prendre ce sample, analyser les transitoires et créer une nouvelle piste avec les notes dedans que je pourrais jouer avec le Launchpad Pro. Voyons comment ça se passe. J'arrête la lecture du clip. Le sample est visible ici. C'est très simple, avec un clic droit, je choisis Slice to a new MIDI track. L'analyse se fait par transitoire et je laisse le paramètre Slicing preset par défaut. Une fois terminé, vous remarquerez qu'il y a une nouvelle piste, la piste 5. Si j'arme à l'enregistrement et que je passe en mode note, je retrouve tous mes samples. Nous avons ici les 4 premiers pads qui sont les premiers samples et les suivants continuent verticalement sur 4 colonnes de pads. Tous ces samples sont dans la bonne tonalité. La raison à cela est que j'utilise la circuit en mode scale, qui a contraint la tonalité en accord mineur pour faire jouer le Mini Nova pendant que je l'enregistrais dans Ableton. Du coup, tous ces samples sont dans cette tonalité. Du coup, je risque d'être limité pour le reste du morceau avec les changements d'accord. De plus, je vais essayer de faire jouer tous ces samples différemment. Je vais prendre le clip de la batterie venant de la circuit sur le canal MIDI 10 et le mettre sur cette piste. Pour éviter de modifier l'original, je vais faire une duplication de ce clip MIDI puis le remettre à sa place. Et voyons ce que cela donne. C'est un peu fort, je vais réduire la vélocité. Après, j'aime beaucoup cette variation de ce son. Je vais le dupliquer à nouveau et apporter une autre variation. Pour ce faire, je rentre dans le clip MIDI jusqu'à y voir les notes. Je les sélectionne toutes en faisant commande E, je lance le clip en lecture et je vais descendre la tonalité globale d'un demi-ton. C'est parfait pour moi. Je vais faire une autre variation en dupliquant une nouvelle fois le clip, je le lance en lecture, je sélectionne toutes les notes et je choisis une autre tonalité encore plus grave. Celle-ci me convient également. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut.